Bah ouais, en un mot, tu résumes ta journée à quoi? Incroyable. On en a parlé tout à l'heure. C'est mon mot, ça. C'est le mien maintenant. Incroyable, c'est le bon mot. Vous êtes trois, alors un mot, incroyable. Fantastique. Impressionnant. Est-ce que t'as déjà réussi à faire ça, Evan? Non. Qu'est-ce que tu penses des méthodes positives avec le cliqueur et la saucisse? Ça marche bien? Je suis pas sûr. Je viens de Vidobor. Ok. Et j'ai décidé de venir parce que j'ai vu ta vidéo qui m'a l'air plutôt satisfaisante. Et le chien, j'arrive pas à le gérer dès qu'il a d'autres chiens. Avec les voitures aussi, ils courent dessus. Ouais. Allez, raconte! Vidéo! Bon, on l'a jamais vu comme ça. Avant, vous voyez un chien, et même pas il pouvait s'approcher, il était intenable. Là, il peut jouer avec. Oh, ils sont nombreux, mes bébêtes là. Ouh là là, le petit âne, les petits chevaux. Et il sait qui sont les lamas du Dieu. Ah, ce matin, on pouvait pas le laisser à côté d'un chien. Il est là, le bébé. Hein? Il est là, le bébé. Ce matin, ça c'était pas possible. Evan, est-ce que c'est la première fois que tu viens manger au restaurant avec ton chien? La première. Bon, est-ce que tu as remarqué que ton chien était chaud patate quand même? Ouais. Silence. Je sens qu'il est bien excité. Ouais. Et que c'est quand même vachement calmé avec les chiens qu'il y avait là. Il n'aurait jamais fait ça juste avant. Tu vas mettre ton application quelle consigne quand tu vas rentrer à la maison? Tout ce que tu manges est strict, plus de canapé. Ferme et bienveillant. Il où? Juste. Il va peu de chance, il va grogner, fais gaffe. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger. T'as pas mis la petite. Ok Evan, les gars, vous avez assisté à une journée de stage avec moi de formation, enfin de rééducation de ton petit chiot, qui est âgé de 5 mois, qui est sociopathe caractériel. Quelles sont tes impressions, Evan? C'est pas possible de le prendre ce matin. Non. On va falloir continuer à le manipuler dans tous les sens. Et quand c'est vrai, te donner des croquettes, etc. Pas bouger, pas toucher. Ah, je suis venu parce que le chien, il était agressif avec les autres chiens, les inconnus, tout ce qu'il veut. Là maintenant, on peut le promener plus sereinement. Ça a bien changé, ça a dépassé mes attentes. C'est simple, je m'attendais pas à autant. Autant de quoi? De changement. De changement. C'est pas possible de le sortir avant et maintenant, bien calmé, bien comme il faut, il reste à côté. Il attaque pas forcément les chiens qu'il voit, les pigeons, les vélos, tout ce qu'il voit en fait. Faut changer le comportement avec Richko. Plus du tout pareil. Que rien n'est impossible. Aussi. Parce que vu son caractère, c'était vraiment galère de pouvoir le changer. Et en une journée, en 8 heures de travail, il a bien changé et c'est grave mieux que ce qu'on pouvait imaginer en vrai. T'as un conseil à leur donner? Un conseil à leur donner? Venez ici. S'il y a un comportement comme Richko, faut le gérer vite. Quel genre de comportement du coup? Agressif avec les autres chiens, tout ça. Je pense pas que ça soit gérable un chien comme ça, adulte. C'est maintenant que tu manipules comme je viens de faire, doucement. Lui aussi doit le prendre, mais après avoir fait le travail, faut pas arriver à croire que tu peux le prendre comme ça, il va pas se faire. Si les gens voient que leur chiot il commence déjà à être dominant, agressif, un peu. Des réactions bizarres. Un peu costaud, voilà, c'est ça, il faut directement venir, pas attendre parce que sinon ça peut empirer. Venir où? Ici, chez Eric Tramson. T'es sûr? Tu peux peut-être. Pourquoi tu vas pas voir quelqu'un d'autre? Parce qu'ici, que c'était très bien comme journée, ça nous a bien aidé, ça nous a bien appris. Pourquoi ça... aller voir ailleurs si on est satisfait? Ouais. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.